Salut tout le monde, c'est Coconut31 et je vous fais une petite vidéo parce que il y a beaucoup de monde qui parfois me laisse des commentaires et je ne peux pas y répondre. Par exemple, cette fille qui m'écrit et je peux pas lui répondre. Tandis que cette personne-là, par exemple, j'ai pu lui répondre et ça s'est bien passé. Alors en fait, pour ça, il doit falloir que vous allez dans les paramètres de YouTube et de Google Plus. Donc on va faire ça ensemble. Dans YouTube, vous allez sur votre compte, vous allez dans Creator Studio. Ensuite, vous allez dans Communauté. Vous allez dans Paramètres de la communauté. Et là, il vous faut activer comme ceci. Vous cochez tout, ça sera le mieux, même si certaines options peuvent être désactivées, mais bon, vous cochez le tout, ça sera plus simple. Donc les quatre premières cases, plus autoriser tous les commentaires, autoriser tous les commentaires, etc. Une fois que ça c'est fait, donc vous faites enregistrer, et vous allez ensuite sur Google Plus. Donc vous allez sur Google Plus, donc plus.google.com, vous cliquez ici. Et vous allez avoir vos comptes. Le compte perso et le compte de votre chaîne si vous en avez une. Bon, moi je vais le faire pour la chaîne, mais sinon pour vous faites-le pour les deux, hein. Et ensuite, vous allez aller dans les paramètres. De la page. Et là, vous allez avoir donc paramètres. Qui peut interagir avec vous et vos potes et vos posts, pardon. Donc là, vous cochez tout le monde et tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra vous répondre, et notamment les créateurs de vidéos comme moi. Donc à la fin, vous n'avez peut-être pas besoin de cliquer sur enregistrer. Non, c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste suivre ces étapes-là, et comme ça, je pourrai répondre à des commentaires où je ne peux rien faire jusqu'à présent. Parce que là, je suis obligé de passer un message privé, et honnêtement, c'est pas facile. Donc même si des fois vous posez des commentaires et que vous voyez que personne ne vous répond, c'est que sûrement que vous n'avez pas cette icône pour répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez aller faire un tour sur ma page Facebook Coconut31. Je réponds à pas mal de questions, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine et puis amusez-vous bien.